Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, mes chers amis. Comment allez-vous? Je suis Sébastien. Ouf, je suis joli. Nous jouons à Devil Within 1. J'ai le 2 aussi, mais on va jouer au 1 là-bas. J'ai oublié de commencer la vidéo, j'ai comme eu un petit problème. Qui s'appelle un problème de mémoire, d'oublier de commencer la vidéo, faut que j'ai parlé tout seul comme un con. Ouais. Oui, j'avais l'air d'un con. Donc on va jouer à Little Hope, les gars. Oui, j'ai mon frère qui joue à côté. Pas mon frère, quelqu'un d'autre qui joue à côté. Qui s'appelle une vidéo qui a démarré tout seul. Laissez-moi être bizarre dans mon cerveau. J'ai skippé, en gros, faut aller à l'hôpital psychiatrique Beacon parce qu'il s'est passé de quoi. Puis on est là. Puis on est l'inspecteur Sébastien qui vient enquêter sur les lieux avec Joseph et Kidman. Les graphiques. Oui, de base, je vais vous montrer. De base, ça ressemble à ça. Mais ça t'enlève la moitié de l'écran. Alors, je vais jouer comme ça. Merci. J'aime pouvoir voir mon écran. Voici Kidman. Chandail blanc sous la pluie. Et Joseph. Joseph. Salut Joseph. T'as pas des traits asiatiques un peu? Hein Joseph? Oh! Joseph a disparu. Joseph, bonjour Joseph. On y va. Wow, mais c'est trop stylé en fait. C'est beau. Je trouve ça beau. Oui, c'est Bug Desda, mais. Mais c'est magnifique. Il y a comme une odeur de sang. Bethesda, c'est Doom. Ok, fais gaffe. C'est Skyrim. C'est Fallout. Ils sont tous des on jeux va voir que j'ai adoré. Que personne d'autre ne passe cette porte. Je pourrais me rendre normalement, un peu utile. C'est on sait pas ce qu'il y a à moins dedans. Que j'aille un trou de mémoire. Restez qui soit soutien. Vraiment stupide. Mais non, Fallout, c'est tel truc. Je sens que c'est Bethesda. Je suis peut-être juste stupide. Mais... Puis j'ai une mauvaise mémoire. Mais il me semble que c'est Bethesda. Tu as entendu? Il y a des morts partout? Oui, j'ai entendu un bruit. Moi, c'est. Moi. On a un comment survivant. On court? J'ai toujours pas compris comment on court. Vous êtes blessé? Que s'est-il passé? Oh, salut! C'est pas vrai. T'es joli, toi? Possible. Rubik est... Je m'en occupe. Tu devrais vérifier les caméras de surveillance. Rubik. J'ai pas déjà écouté un let's play de ce jeu-là il y a 2-3 ans. Là. Parce que Rubik, ça me dit quelque chose. Peut-être. Il y a un moment où on avance dans le jeu, puis à l'épisode 4, je me dis « Ah oui, j'ai déjà vu ce truc !» Ah ben, j'ai déjà vu un let's play. Sauf que ben, je me rappelle pas et avoir regardé un let's play. Rubik, c'est quoi? C'est ça? C'est ça, Rubik? C'est ça? Merde. Bonjour, fils de pute. Je suis le monstre en blanc. Quoi? Oh putain! Bonjour! Non, j'ai pas eu peur, je m'y attendais. Non, il est plus là, il est où? Dans ton cul, connard! Donc je suis dans tes fesses. Oh putain! Oh un rat! Bonjour. Viens, petit rat, je vais te manger. Putain, c'est glauque. Je sens que je vais mourir plusieurs fois parce que je serais. Parce que dans ce jeu-là, je sais pas jouer. QTE, moi, je sais pas jouer. Je sais pas faire mon QTE ou courir et devoir fuir et être un professionnel.
Je sais pas. C'est le boucher à la musique classique, on va l'appeler comme ça. Le boucher, il est what the home, monsieur. Vous faites pas les choses à moitié, hein. À moitié. Il a coupé en deux. À moitié. Il a coupé en deux. À moi, non. À moi, non. Donne-moi cette merde. Je veux les touches. Non, je veux les touches. Je veux les touches. Configuration. Sprinter, c'est ça. Viser, c'est ça. Comme dans 99.999% des jeux. Mode furtif, c'est ça. Parfait. C'est tout ce que je veux. Pourquoi tu prends du temps, mec? Le boucher, il va te gueuler. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, moi? Pourquoi je peux pas courir? Qu'est-ce que j'avais dit? Je réussirai jamais. Oh putain. Mon cœur il botte déjà. Pourquoi j'ai l'accent français quand je parle en vidéo? Mec, je suis québécois, c'est quoi ce bordel? Oh putain. Bon. Je vous le dis tout de suite, je suis une mauviette. Comme ça c'est dit. Mon cœur, je l'entends dans mes oreilles. Oh putain, je suis pas fait pour jouer à ça. Pourquoi je joue à ça? Pourquoi je me fais du mal? Oh putain. Bien. Oh putain.
Ah, oh. Ok, je vois le genre de jeu. C'est pas une campagne basique. C'est un survival. La discrétion, le combat. Je crois que j'ai la peste. Je crois que j'ai toutes les maladies du monde. Je vous rappelle que j'ai une blessure à la jambe et que je viens de marcher dans du sang de dizaines et de dizaines de morts. Et je sens. En plus, j'ai même pas fait exprès. Eh ben, il va nous retrouver l'enfoiré qui va nous faire notre fête. Tout ce que je veux pour de vrai, c'est survivre. C'est survivre en fait. Je veux sortir d'ici. Je sais qu'il va nous retrouver le monstre. Il va nous dire bonjour. Je vais te découper en petits morceaux. Moi, je peux pas aller par la porte. Si je serais en live, ben, il y aurait quand même personne parce que ben, j'ai deux abonnés ici. Alors voilà. Mais pourquoi je suis allé à la porte et elle s'ouvrait pas? Parce qu'il y a rien d'autre. On est d'accord. Est-ce qu'il me montre juste plus? On est plus en plus tard. Oh, don't die! Double peste. Où est la sortie? J'ai arrêté de respirer. J'avais réellement l'impression qu'il allait me sauter dessus. Ah, putain. Bon. Je vais vous dire, ok. D'un, je suis pas très vieux. Je suis quelqu'un de très peureux. Et il est tard. Je suis dans un sous-sol. Il est. Ben, on est. On est. En mi-novembre, alors il fait noir. Il est 10h du soir. Du soir. Arrête d'avoir un accent français quand tu parles, merci. Pourquoi? Bon, il est 10h du soir. Il fait noir. 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 Accent québécois, Victor. Accent québécois. Accent québécois. J'ai dit Hector. Hein. What the fuck, pourquoi Hector? Bon. Je me déteste. Pourquoi je m'inflige ça? Mais je sais que ça me tentera pas de tout détruire ça, puis de... Bon. Je sais que je vais le faire au complet. Je le sais. Je le sais que je vais au complet. Et que je vais faire un épisode par année. Non, pas par année. Je vais au moins essayer d'en faire un par mois. Un peu par mois, par semaine. Je vais en faire trois cette semaine, parce que je suis supposé... vous sortez du... parce que j'ai jeudi vendredi j'ai rien, fait que je vais prendre ma fin de semaine pour moi et jeudi vendredi où je vu que je suis supposé aller être à l'école mais on a des congés de surplus à cause du Covid puis ils veulent pas qu'on aille à l'école blablabla. Jeudi vendredi là où que je devrais être à l'école pour travailler pour apprendre, mais je vais travailler pareil pour les deux abonnés qui sont tristement deux personnes que je connais. J'ai honte de le dire, oui, 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 j'ai très honte. C'est deux amis, parce que mes parents, ils savent que j'ai une chaîne, mais ils s'abonneront jamais, puis je veux pas qu'ils s'abonnent, parce que
ça sert à rien. Mais mes deux amis, je sais qu'ils regardent. Alors, je suis content. Alors, bonjour et souffrez avec moi. Oui, je vous parle. Ça prend un peu de la vidéo, mais je vous parle. Puis, ben, parce que là, je parle jamais, là. Je sais que c'est un jeu stressant, ça brise l'ambiance. Fuck you. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Parce que je pense, vu que j'y pense là, puis j'y penserai pas. Parce que c'est la seule vidéo que je vais faire aujourd'hui. Fait que j'y penserai pas de vous le dire. Jeudi, puis au vendredi. Jeudi, je vais faire trois vidéos. Je suis supposé faire un épisode de L'ombre de la guerre. Jeudi, et un épisode de L'ombre de la guerre vendredi. Et vu que je vais faire trois vidéos. Fait que je crois que jeudi, je vais faire un L'ombre de la guerre. Puis un Evil Within. Vendredi aussi, je vais faire un L'ombre de la guerre et un Evil Within. Puis, comme troisième vidéo de la journée, je crois que ça va être un peu n'importe, ça va être tout dépendant là. Ça se peut que le troisième épisode jeudi soit For Honor et que vendredi ça soit Call of Duty WW World War 2, Deuxième Guerre mondiale en français. Mais je vais faire un Evil Within et un Homme de la guerre plus un épisode qui va me tenter. Jeudi et vendredi. Faut que ça vous faire le continu de deux séries, plus un épisode hebdomadaire. Et pour ceux qui vont se demander, pour les gens qui vont se demander, pour Arc, est-ce que je vais refaire des épisodes? Sûrement. La réponse est sûrement. Sûrement, 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 sûrement. Très, très sûrement. Mais là, sûrement pas. Pourquoi? Parce que j'y joue pas beaucoup, j'y joue un peu par-ci, par-là. Puis souvent, quand j'y joue, c'est dans ma tête, je relaxe, je fais ce qui me tente, puis je me casse pas la tête. Désolé. Je me casse pas la tête. Fait que voilà. Vous savez ce qui va se passer. Il va y avoir 6 prochaines vidéos qui s'en viennent. C'est parfait. Puis j'ai sûrement 2-3 autres jeux que vous avez vus qui vont peut-être revenir là, mais je fais un peu ce qui me tente. Puis ce qui me tente ce temps-ci, c'est Honte de la guerre, mon nouveau jeu. Puis ben, aléatoire, parce que j'ai beaucoup beaucoup de jeux. J'en ai une vingtaine, une trentaine. Bon, vous connaissez le planning. Oui, j'ai pris genre 5-6 minutes pour vous expliquer tout ça. Mais ça m'a permis de calmer mon stress et de prendre le temps de tout vous expliquer sans être stressé. Parce que si je suis stressé, je sais que je vais oublier des trucs. Puis si j'oublie des trucs, ça va me faire chier. Là, il arrive, là, il est en haut de l'échelle, puis il coupe l'échelle. Avec ça, si. Puis il fait salut! Puis après, il saute en bas, puis il te découpe en petits morceaux. Puis il te fait du steak. C'est bien fait, là, on peut pas regarder réellement en haut. Ah oui. On peut. Note de la chaufferie. Début du test opérationnel du système STEM. Ok. Réussite confirmation de la synchronisation des ondes cérébrales. Perte minimale. Poursuite de l'expérience. Récupération utilisée. Par l'argent. De l'argent. Anomalie détectée. Aucun rapport avec le sujet. Je vous laisse faire pause. Hein.
J'ai tellement l'impression qu'il va nous retomber dessus avant qu'on sorte de la boucherie. Monsieur découpe des gens en morceaux. Hein. Ça va me stresser. Parce qu'on est full là, puis il va faire coucou, puis il va nous dépendre. Parce que je suis tellement mauvais, puis là. Promets que vous devez avoir honte de moi parce que j'ai baissé la difficulté parce que je sais que je suis nul puis que je pourrais même en cette difficulté là je vais être mauvais. Ouais, on bouge plus à côté de lui qu'en colère. Il l'a pas frappé avec. Non, il bouge même pas, ça va être trop. Prends le contrôle. Parce que je bouge beaucoup parce que je suis. Pause. C'est le premier épisode, ok? Ça va être moins pire dans les prochains épisodes, surtout que j'ai fait un monologue de 5 minutes, alors ça a été long. Oh putain! Ouais, je crois que Bob Lennon a fait un let's play. Moi, je suis sûrement pas comme lui. Il est sûrement avancé comme si rien n'était. Pas moi. Moi, je suis une pauvre petite mauviette depuis jeune. Les choses qui font peur aux gens normaux me font peur. Lui, je sais que les affaires. Je sais pas si c'est bien, je ne peux pas avoir une.
Une affaire de genre, j'avais déjà vu un épisode, ça l'avait stressé, moi ça m'avait fait pas grand chose. C'est peut-être aussi parce que je suis pas direct en train de jouer, donc c'est pas le même effet. On sait jamais. Qu'est-ce que tu viens d'écraser? Un badge? Non, je sais pas. Mais... Darkness twisting me around. There is nothing I can do. Ce dont je parle, c'est le premier épisode, ok? Je vous dis, les premiers épisodes de chacune de mes séries vont être les plus chiants. Pourquoi? Parce que ça va toujours être eux que je vais parler, que je vais me mettre dans le bain, voir comment il est déjà, etc. The Evil Within. Alors, je suis désolé si je parle, mais je me mets dans le bain et je m'amuse. Du moins j'essaie. Est-ce que je suis encore... Wow, wow, wow. Oh putain. La lumière. Ouh, mon cœur il va... Pas mieux, j'allais dire il vaut mieux à mon petit cœur. Mon cœur est en train de lâcher il y a 30 secondes, mais là il se lâche. Il vaut pas mieux en fin de compte. Inspecteur! Montez, montez! Ah, c'est la bêtise que ça fait. Il y a des joueurs qui sont mal, mais. Non, on l'a pas mis. Du moins, il l'avait fait. Pas, ben, je m'en vais sans vous, parce que moi je veux sans vous. Tout le monde va sûrement mourir. Du moins toi tu vas sûrement mourir parce que tu es là. Je suis désolé, mais il est pas ressorti. J'ai attendu, mais. Allez, calme-toi, Leslie. Genre, le conducteur va mourir, les autres vont disparaître. C'est un jeu d'horreur. C'est sûr que ça va prendre. Merde! On pourra pas y retourner. Vous êtes tout seul. Avec moi, le fourgon, c'est tout le haut. Je peux pas le prendre. Oh, moi. Il a l'air. Il va peut-être au contraire nous aider cool. C'est juste un coup qui est là. Peut-être une personnage. Pour les filles. Mais pour l'instant, je ne fais pas confiance. Je suis dans une salle psychotrique, puis ben. On a un fou là. Je ne ressemble pas à. Assassin's Creed ténébreux. Merde. Avec la face, ça m'a fait brûler et tout. Dans un cinématique, mais là, il parle pas. Là. Il se passe des choses. C'est tout ce qui se passe. Je vais essayer de baisser le volume de ma voix parce que je sais que dans le vidéo, vous m'entendez vraiment fort. Fais chier. On peut contacter personne. Tout le monde est sûrement mort. Pour essayer. Quelques bleus, mais ça va. Ça va. Ça va. Ça ira mieux quand on sera loin. Ouais, un peu plus le loin et tout. Il va bien. Le psychopathe, le méchant monsieur.
Soit c'est moi qui commence à être fou. Soit il est là, mais... Fantôme ! Fantôme ! Soit il passe de quoi, c'est magique. Super power. Attention ! Qu'est-ce qu'il y a ? Corrompu, tu vas mourir. Soit tu deviens un zombie, soit le chaos t'a consumé et t'es mort comme une pauvre merde. Chapitre 1 terminé. On va sauvegarder maintenant. Parce que sinon, I will die. For real. Je vais mourir dans la vraie vie. Chapitre 1 terminé. Où toi la grosse tête de merde là qui veut me découper en petits morceaux. C'est pas gentil. Bon. S'entends-tu réellement de jouer encore? Oui, est-ce qu'il me reste du temps? Oui, j'ai peut-être le temps encore un tout. Si mon santé, mon niveau de santé est faible, je pourrais plus sprinter. Oh! Mauvais en même temps. C'est comme... C'est cool à savoir quand tu veux pouvoir analyser. Mais c'est mauvais de savoir que si je peux aspirer, je peux pas aspirer. Pourquoi je suis... Pourquoi des... Bonjour mademoiselle. Oh. Ouh, je suis attaché. Détachez-moi, fils de. Ça a reçu. Où je suis là? Je suis dans un hôpital psychiatrique de une gangère. Pourquoi je me suis tout seul? Pourquoi? Je vais mourir. Je vais mourir. What the fuck? Oh. Bon. Je suis content d'être dans... Il n'y a pas de couleur. Je suis plus content d'être dans un lit d'hôpital ou de prison. Je crois que c'est de prison plus. Je préfère être ici dans une prison nawak, pas de couleur, qu'être dans un hôpital psychiatrique à Auschwitz avec plein de lumière. Y'a quelqu'un? Puis me faire y avoir un gars avec une tête monstrueuse en train de me grimper dessus pour me prendre en. On est réveillé. En missionnaire. Oh, bonjour, on va l'appeler. Où suis-je? Mais Carole. De quoi parlez-vous? Bonjour, Carole. Il n'y a que vous ici. Il n'y a que moi. Pour le moment. Pour le moment. C'est pas rassurant. Le miroir. Oh, mon beau miroir. Dis qui est le plus lent et le plus beau. Castellanos. Bonjour, Castellanos. Je vous avais jamais vu de si près. Castellanos. Deux autres chambres et mon écran tourne vraiment lentement. Une autre chambre et ça va être ma chambre. Je sais pas, pour l'instant. Un hôpital. Ce lieu est important pour vous. Vous êtes toujours le bienvenu ici. Je suis à l'hôpital. Je crains de ne pouvoir vous répondre. Je vous en prie, inscrivez-vous ici. Si vous ne signez pas, nous... Ah, c'est un endroit de... Ah, je peux sauvegarder. C'est bon à savoir. Ça veut dire que...
que cet endroit va être comme mon bunker. Ça veut dire que ça va arriver souvent de me rendre là. Bon. Ça veut dire que ça va être comme mon bunker. Et je sais pas, il y avait comme un pot de marmelade ou de sperme, ou je sais pas trop. Un gros pot là. Je sais pas c'est quelle couleur, on est en noir et blanc. Ça va être genre notre bunker là. Parce que ben il y aurait pas un truc de sauvegarde là, puis il y a une part, ça va être important ici pour vous, tatatitatata. Il nous a donné des trucs, je crois que ça va être un bunker, ou je me trompe complètement puis ça va être la seule fois qu'on va voir cet endroit là, puis je suis juste con, mais je crois que ça va être notre bunker. Puis ben on va se rendre tourner là. Puis ben ce serait triste que ça soit que j'avais pas raison. Pourquoi je dis ça? Parce que j'aimerais ne pas avoir donné un nom. Hein. Veuillez me suivre. J'aimerais ne pas l'avoir appelé Carole. Pour je sens qu'au prochain épisode je vais l'appeler Myriam, puis qu'à l'épisode d'après je vais l'appeler Carole, Myriam ou autre. Parce que je m'en rappellerai jamais de ce que j'ai donné avant. On va essayer de l'appeler Carole. Tout va bien. Détendez-vous. T'es pas rassurante. Asseyez-vous donc. Oh putain, je vais me retourner. Ah, c'est joli. Aussi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y avait des aiguilles dans un crâne? Qu'est-ce que vous faites? Oh putain. Non. Ah oh, oh. C'est pour votre bien. Ne vous débattez pas. Non. Arrêtez. Oh putain. Oh. Vous voyez? Voilà. Tout va mal. Oh, j'ai mis de l'héroïne dans mon sang. Est-ce que je deviens dingue? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est mon médecin pour débloquer, je crois qu'on va y retourner. Je crois que le personnage est fou, mais je crois qu'on va y retourner 2-3 fois. Parce qu'on aurait pu débloquer des trucs avec des bocaux remplis de je sais pas trop quoi. On va rentrer un peu dans la tête pour qu'on... Merde, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis où? Je sais pas, il était blessé, mon mec. Kidman! Où êtes-vous? Ouh! J'ai pas vu la couleur. Conley! Ouh! C'est vert! Comme de la gelée de main? Ou de lim? Lim, parce qu'il y a des Français, je sais pas si les Français appellent ça. Du moins, je sais pas si toutes les Français appellent ça du citron vert. Mais ici, c'est de la lime. Au Québec. Du moins, tous ceux que je connais s'appellent ça de la lime. Puis tous ceux sur Internet que je connais appellent ça de la lime. Mais en France, je sais, du moins, il me semble qu'ils appellent ça du citron vert. Il y a souvent des gens qui appellent ça de la lime aussi. Bah, c'est le vrai mot. J'espère que c'est à cause que j'ai plus rien, que je peux pas ouvrir. On va appeler ça de la gelée, ok? Le truc. Je vais pas appeler ça rien du tout. Ah, j'ai trouvé ça. On va appeler ça des bocaux, ou de la gelée, ou du cerveau. Non, il n'y a pas de logo de cerveau directement quand je le prends. Je sens que tu vas avoir un combat.
Par contre, la sensation qu'il va avoir un combat, c'est pas une bonne nouvelle. Lumière. Hey! Oh putain. Il lui pique. C'est un combat. On vient d'apprendre à se battre. Oh putain, moi je suis un zombie. Il bouffe des mecs. T'es prêt? Conley? Pas prêt, mec. Parce qu'il est visiblement en train de bouffer un mec. Ça ne fait pas que le bouffer, il le détruit. Oh putain! Rien ici, putain. Pas un couteau, pas de balle. Ouais, c'est logique. Il y avait un seul chargeur. Je sais pas si on va pouvoir se rendre plus loin. J'ai pas le timer directement devant les yeux. Leslie, moi c'est le fou, il me semble qu'ils l'ont appelé Leslie. Sinon, c'est moi qui deviens fou et qui trouve des noms et des personnages. Bon, la fille, ben on sait pas son nom. Ça fait mal. C'est qu'on va l'appeler Carole. Et toi, on me semble qu'on t'a appelé Leslie. On t'a demandé si ça va venir du piège. Leslie, c'est ça? Je suis inspecteur de police. Je devrais pouvoir t'aider. Pouvoir t'aider? Merde. Comment je vais faire pour t'emmener à l'hôpital? À l'hôpital. À l'hôpital. 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 Bordel. Il a l'air. Il a pas l'air. Oh. Aïe. Non, c'est trop loin pour les amorcer. Aïe. Bon. J'ai désamorcé le piège avec mon torse. Je suis viril. Le torse de. Mon torse a arrêté le piège. Que je brûle le cadavre. Ouah, c'est qui? Oh, je sais pas, moi je vois un cadavre, je vois des allumettes. Alors, visiblement, faut que je brûle le cadavre. Voilà. Oh putain, c'est creepy. Bon. Va falloir apprendre à désamorcer les pièges. Oh, Carole! Le miroir! Comme celui qui avait dans le bout du couloir. Calme-toi. Sébastien, prends ta couille. Prends ta couille dans ta main. Embrasse-la et aide-lui. Fais-toi confiance. J'ai confiance en toi. Arrête d'avoir peur, fils de pute. J'ai enfin obtenu mon insigne doré. Inspecteur Sébastien Castellanos. Lianos ou Lanos? Castellanos? Castellanos. Ça sonne bien. Il aura fallu le temps. Mais d'après ce que j'ai compris,
J'ai été l'un des plus rapides à monter en grade. J'ai hâte de commencer. Je serai beaucoup plus utile au poste d'inspecteur qu'en tant de policier de quartier. En plus, pas besoin de porter leur uniforme ridicule et ça paie un peu mieux. La police de Crimson City a besoin de toute l'aide possible. Ces derniers temps, la criminalité a explosé. C'est ma ville et je me dois de la protéger. Bon. Crimson City. Ça. Merde. Bon, ça vient de casser. Quoi? Quand le miroir a cassé, ça veut dire que je peux enfin rentrer? Ça veut dire que chaque fois que je vais approcher le miroir, il va y avoir un truc à aller? Ou c'est juste que, vu que c'est un morceau de gameplay, j'étais obligé de le faire? S'il y a un truc à lire à chaque fois, ça me fait plaisir. Ça va me faire des trucs de l'histoire. Ah, le bunker. On va l'appeler ça le bunker, ok? Je crois que je perds la tête. Visiblement, oui. Comme tout le monde. L'autre l'a clairement perdu la tête. Il s'est fait bouffer le cou. Il a disparu. Là, je marche. Toi aussi. Je crois qu'on va devenir un... Voilà, c'est ce miroir. Bon. Est-ce que je vais brûler? Je ne sais plus si je rêve ou pas. Quelque chose ne va pas. Disparu Leslie Withers. Patient de l'hôpital psychiatrique Vicron a disparu d'une chambre sécurité de l'établissement. Bonjour madame. C'est très joli. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc? Ça, non. Non. Il y a un autre truc. Est-ce que je peux encore signer? 30 minutes de jeu, ouais, mais j'ai fait un dialogue de 10 minutes. Bon. Voilà. Castellanos. Est-ce qu'il faut que je retourne à la salle là-bas? T'es jolie, hein, Carole. Je vois juste ta tête en ce moment parce que je me craque les doigts. T'es jolie. Ah, le moment, ce moment-là, c'était le moment de je me promène, je bute un zombie, je suis Leslie, je rentre dans la maison. Et j'espère que la musique va être là tout le temps. Pour me dire, il y a un point de sauvegarde où tu peux dépenser. Ben, ça serait logique, parce que vu que j'ai beaucoup de bocaux, là, je crois que ça va nous être pratique là-dedans. Je sais pas pourquoi, mais bon, là, c'est genre un truc de sauvegarde. Et tout ça, ce serait logique sur des améliorations, mais ça peut être tout autre. Oh, je peux retourner par celui-là. Bon. D'accord. Je réfléchis un peu. Bon, c'est noté. Bon, j'ai trop... Bon. Quand j'ai... Bon. Aïe! Oh, putain. Stock, aptitude, arme. Aptitude? Ah, je vais pouvoir changer comme ça, ça va être mieux. Jauge de vie. Temps de sprint maximal. Oh, c'est cher. Ça fait des trucs chers. Moi qui pensais qui était full content. Ouais, j'ai 2300. J'ai tout trouvé. Il y avait des secrets qu'il fallait que tu cherches un peu pour trouver. Puis après, j'en ai plein. Donc là, ben, je vais sûrement pouvoir acheter plein de trucs. Ben non, c'est vraiment très cher. Des grenades. Guérir les allumettes, c'est creepy. Des balles de pistolet. Oh, bah, là.
je peux faire la canon, les dégâts je peux pas tout en ce moment. Les canons. Est-ce que j'en ai manqué des bocaux? Sûrement. Là j'ai pas tout exploré, il y a des endroits que j'aurais pu me promener un peu plus. Coup physique, les chances. J'ai juste ma jauge de vie que j'ai améliorée. Je parle dans mes aptitudes. Lance de tir, j'aimerais bien. Oh putain! C'est pas un peu beaucoup ça, le psh. Ah. Vitesse de rechargement. Mieux, c'est bon, je suis quand même un peu moins. Ouais, je peux pas, ouais, je peux avoir une seconde et demie de moins, une seconde trente de moins de rechargement. Mais wow. Là, j'ai amélioré les cadences de tir. À place d'être une seconde dans chaque tir, c'est 0,5. Ça va. De gelée là au cerveau. C'est du gelé de zombies, ça, c'est au cerveau. On va se laisser là, les mecs. On va sauvegarder. On va admirer les yeux de Titania. Est-ce que je peux traverser la tour, Titania? Pourquoi je dis Titania? Ça y va bien, Titania, hein? Je trouve ça bizarre. Pourquoi je l'appelle Tatiana? J'avais pas dit qu'on l'appelait Carole. Oui, c'est Carole, c'est pas Tatiana, c'est Tatiana. Non, en plus, c'est chiant à dire ça. Tatiana. Rien à foutre, c'est Carole. C'est Carole. 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 Ouh.